观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde en français et en chinois. 下面请看详细内容。11月7号，中国外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者提问，近日七国集团外长在德国明斯特发表联合声明称，该集团成员国谋求在有可能符合他们利益的领域与中国开展建设性合作。此外，七国集团外长提醒中国遵守联合国宪章中和平解决争端、避免使用威胁和暴力手段的有关原则。声明中还提到了涉及中国内政的内容，包括台湾、香港、新疆和西藏。请问中方对此声明有何评论？赵立坚指出，中方在涉港、涉疆、涉台等问题上的立场是一贯的、明确的。七国集团外长的这份所谓联合声明，无视中方严正立场和客观事实，粗暴干涉中国内政，恶意污蔑抹黑中国。中方对此表示强烈不满，坚决反对。赵立坚表示，中国是践行联合国宪章的表率，践行真正的多边主义。中方一贯致力于推动国际社会共同应对全球性挑战，致力于推动构建人类命运共同体。中方敦促七国集团别再固守冷战思维和意识形态偏见，停止干涉别国内政，停止重复谎言谬论，停止挑动地区矛盾，制造阵营对立，为全球合作创造有利条件。Selon l'AFP, cité par le Figaro, un homme d'affaires russe proche du Kremlin, Evgeny Prigogine, a admis lundi 7 novembre des ingérences dans les élections américaines, à la veille d'un important scrutin de mi-mandat aux États-Unis. Depuis des années, les États-Unis accusent Moscou d'interférence. Nous nous sommes ingérés, nous le faisons et nous allons continuer à le faire, avec précaution, précision, de façon chirurgicale, d'une manière qui nous est propre, a déclaré Evgeny Prigogine, cité dans une publication sur les réseaux sociaux de son entreprise Concor. Suite à Mengtian实验舱成功发射升空并顺利完成交会对接和转位。中国空间站 T 字基本构型在轨组装完成，目前梦天实验舱八个科学实验柜陆续加电开机，即将开始在轨测试。在梦天实验舱装载的八个科学实验柜中，高精度十频科学实验系统就占据了两席，并有西安、北京、上海的三处地面系统配合支持。Attention, la foncière à Paris va augmenter. Confrontée à une situation budgétaire délicate, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a décidé d'augmenter de 7 points la taxe foncière. Elle a ainsi renoncé à sa promesse de campagne de ne pas augmenter d'impôts. La maire de Paris a annoncé cette décision dans une lettre publiée lundi 7 novembre. Le taux de la taxe foncière passera de 13,5% à 20,5% en 2023, sauf pour les propriétaires qui s'engageront dans la rénovation thermique de leur appartement et ceux qui y rencontrent des difficultés économiques et titulaires d'allocations de solidarité. Le 11 juillet 7号，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第406场新闻发布会上，北京市疾控中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火介绍，11月7号0点至15点新增本土新冠肺炎病毒感染者33例，其中隔离观察人员32例，社会面筛查人员1例。Elon Musk, qui a racheté Twitter, a défendu bec et ongles ses projets phares ce week-end, dont le lancement prochain d'un abonnement payant pour les utilisateurs. L'idée est de démocratiser le journalisme en donnant plus de pouvoir au peuple, a-t-il tweeté dimanche. En revanche, il peine à rassurer les associations, les annonceurs et même les Nations Unies qui craignent un déferlement de discours de haine et de désinformation sur le réseau Twitter, surtout après qu'il a licencié la moitié des employés de Twitter. 11月7号，中国国新办举行携手构建网络空间命运共同体白皮书新闻发布会。针对华为等一些中国企业在有些国家发展受到限制这一问题，中国国家互联网信息办公室国际合作局局长戚晓夏表示，
随着中国互联网产业的快速发展，中国企业投身国际市场，开展国际研发合作，为世界各地提供了大量安全可靠、质优价廉的产品和服务，受到了广泛的欢迎。Les tensions montent entre l'Union européenne et les États-Unis. Le ministre de l'économie français Bruno Le Maire et le commissaire européen au marché intérieur Thierry Bourdon s'en sont tous les deux pris lundi 7 novembre à l'Inflation Reduction Act américain. C'est un vaste plan d'investissement promulgué en août qui prévoit des subventions massives aux entreprises industrielles américaines. Lundi matin, Thierry Bourdon a déclaré sur BFM Business: J'ai tiré la sonnette d'alarme parce que je vois l'impact de ce fameux Inflation Reduction Act qui a été mis sur la table pour les Américains. 367 milliards de dollars de subventions proposées dans des proportions gigantesques qui créent un véritable élément de distorsion de concurrence. 11月6号，来自世界各地的近200个国家的4万多名各界人士齐聚埃及海滨城市沙姆沙伊赫，参加为期两周的联合国气候变化框架公约第27次缔约方大会。主办方埃及表示，约有100多位各国领导人计划出席此次大会。在大会正式开幕当日，世界气象组织发布的一份针对地球的重症病人报告警告说，过去八年是有记录以来全球最热的时期，温室气体排放量达到了创纪录的高水平。Nissan, le constructeur automobile japonais et allié du français Renault, a annoncé lundi 7 novembre la création d'une nouvelle société pour développer ses services de mobilité en Chine, dont des robotaxis.C'est-à-dire des véhicules autonomes. Nissan veut réaliser des investissements dans ce secteur. Nissan Mobility Service, installé à Suzhou, grande ville à l'ouest de Shanghai, où l'entreprise va notamment collaborer avec les autorités d'une ville nouvelle de cette métropole.记者从浙江省气象局了解到，至7号15点，浙江所有国家级气象监测站点位的当日最高气温均超过了20度，丽水、松阳等地突破25度。接下来至12号，全省气温大踏步回升，日最低气温都将维持在17到18度，普遍高于常年同期。13号前后，受冷空气影响，将有一次降温、大风和强降水过程。Apple a prévenu, les livraisons de l'iPhone 14 Pro seront plus faibles qu'anticipées après le confinement d'une usine en Chine liée aux restrictions anti-Covid. Une mauvaise nouvelle donc à l'approche de la saison des fêtes. Apple a indiqué que son principal site de production à Zhengzhou dans le centre de la Chine fonctionne actuellement avec une capacité significativement réduite depuis la découverte d'un foyer de cas positifs au Covid-19. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube pour nous suivre à tout moment. 感谢您的收看，咱们下期节目再见。À bientôt.